Bonjour tout le monde, je veux dire, nous parlons de attendre, eh bien, version de Yahusha, en fait, qui, c'est un transgenre, ça veut dire li fait garçon, et que ça nous donne les transformations, les opérations que le fait pour le tourner fille complètement, c'est juste 20, à partir de 29 ans, on commence à faire toutes les démarches. Li même qui expliquait la vie, que depuis qu'elle était faite, les gens l'ont levé, et même lorsque elle était faite avec tigren, ok, mais comportement, les gens l'ont agi, et il a toujours une poupée, il toujours fille. En fait, Van Dou que lui pas vraiment senti bien lorsque ou dit qu'il était garçon. On va en des séries de mots qu'il pas tellement aimé lorsqu'il a utilisé pour lui-même. Et il pas aimé tout leur dire que eh bien comme quoi le couper graine, il pas voulu pour dire ça. Il dit que c'est un réarrangement parce que pour lui-même c'est comme quoi ça ne gagne rien, c'est comme quoi tout garçon fait avec vagin. C'est comme ça il présente bagala. Mais d'abord on dit que Yahusha li d'origine haïtienne. Bon, la vive en Haïti. Li gen mari li, que la vive ensemble avec elle. Donc, li tap fait en dévoile. Nous connaissons que ça fait li vin Yahusha vin actualité. C'est par rapport à Jovenel qui prend loi pour eux-mêmes. Et maintenant, c'est son sujet. Bon, c'est que profond. Très certainement soit l'international là soit faire débat ça aux États-Unis en France il y a pour une façon il y a rien doit dire peut-être qu'on fait discrimination si par exemple pas bon ici toi dit que eh bien bah ça ou pas qu'on est yo il y a pour peut-être quand même du racisme mais faut nous d'accord la pas bien que ici là nous gain ouverture mais faut nous d'accord de quel que soit tendance qu'il y ait que dans la société haïtienne, non? Et nous pas tellement contre bagay ça. Ok? Et société haïtienne, non, tout, quelque part, beaucoup prêt pour accepter ça y a bay là. Ok? Comme si pour accepter dans la normalité, vous comprenez dans le sens que son bagay qui est normal, ou te fait garçon. Ou une fille lundi acceptable dit qui ça ça pas veut dire que le monde fait yo pral tout yo pral batou mais on pas ka rentrer dans tête haïtien comme quoi que son bagay qui normal mon n'en fait ça veut avec vili et m'dou dit ça boy si ta piga ou jambe chay ça sur haïtien comme quoi haïtien lapide monde même gens ça qu'on fait dans l'autre pays tire coup de roche sur yo mais est-ce que yo pa konn bagay sa, li pa nan valeur. Tout société gen mœurs, gen valeur. En tout cas, an fò tande version pa li même k'ap défann transgen et k'ap explique li. An fò nou pral fò tande témoignage et Yahusha nan émission avec Guerrier. An fò tande l'ensemble. Yahusha. Oui, Yahusha. Un peu le monde souhaite Yahusha Valley en direct et bah qu'on est si je n'étais pas prêt pour être vu mais c'est pas grave non les pas déranger trop parce que grand bon monde cap chercher pour elle hein yo met en photo sur Tripotal là quand met en photo justement et oui Tripotal là quand met en photo mais un peu le monde dans mes Welly et sur Facebook bah qu'on si Wenderson Beauchamp permettre que n'aller sur page méga et puis nous Welly en direct. Oui. Alors, pour répondre à ta question, comment c'est transitionné à 29 ans? Ça a transitionné, vous dit. Transitionné, vous déjà, moi, dit, passer dans l'hôtel de roi, font transition. Me passer, me commencer à passer de. En dedans, tu es déjà femme, qui est d'après moi, tu as fait deux heures, femme, tout. Ça, c'est la transition. Ou commencer par prendre hormones, pousser cheveux, que les hommes poussent, etc. Qui bombe sein, qui bombe rondeur, et ça, jusqu'à l'opération finale, qui est la vaginoplastie. Ok, l'opération c'est enlève le pénis et puis pour mettre on enlève pas, c'est pas qu'on enlève, c'est qu'on reforme. Parce que les organes sont analogues, pénis, sac fait clitoris, là, c'est même genre tête pénis, parce que
j'en me dis tout le monde a 4 mois dans vente ou t'es ou t'es grand vagin donc même tissu tout là c'est même juste reconstruire le refaire. OK, ça veut dire que yo pas retirer pénien complètement. Yo retirer les glandes vasculaires, ça trois bulbes qui fait pour érection aller puis les nerfs et tout ça c'est resté là. C'est pas en plastique tu mettais, c'est reconstruit avec mon propre tissu, mon propre donc j'ai un vagin. Okay. Mais est-ce que on monte coup qu'a fait petite? Non. Non, parce que c'est pas les pas ou pas gain matrice etc etc pas gain ovaire donc vous cassez la parole vagin, au canal vaginal ou gain clitoris lèvre inférieure supérieure etc etc au grand vagin. OK, ou gain vulve là derrière vagin ou pour expliquer ça ça aurait les transgenres. Non, mais qui soit chercher dans ça par exemple ça m'a cherché que c'est au début seconde le par exemple vous décidez de retirer en fait transformer tête ou en femme ou t'es né mal, j'en sou di, moi-même plus dit ou t'es né garçon. Bah ça c'est où? C'est ça. Non, mais en quitter le public à comprendre, justement, ou parce que... Est-ce mal? Non, oui, bon, mais garçon... Mais on va former l'opinion, c'est pour être neutre. Tu formes l'opinion publique, là. Non, mais juste, mais ça me dit, c'est vrai. Non, c'est ta vérité, c'est pas la mienne. C'est ta perception des choses. Non, mais cette vérité est universelle. Elle n'est pas universelle. Donc, moi, je viens de se dire, pas vraiment accepté, là. Bon, OK, j'enlève garçon. Ou t'es né homme? Mal. Non, mais si me dit homme, ça ne dérange pas. C'est pas pareil, j'ai jamais été un homme. Si tu es un homme, tu as prêté un homme, parce que ça ne change pas. Non, mais qui ça fait de homme ou homme? Mais c'est vous qui t'aimez souffre, vous posez ma question, il y a une bonne réponse. Mais OK, ça fait de homme ou homme? Ton cerveau. Si j'enlève, si vous avez un bord de tété, mettons vous boune pour ou pas femme, ou pas jamais femme, ou pas content, ou pas jamais à l'aise. Donc, ce n'est pas physique là, qui fait de moi. Nous vivons dans une société côté, nous attribuer caractéristiques physiques, nous balle des valeurs. Définition, ça, quand on parle. M'explique. Parce que réalité, bon, ça, c'est ce qui t'aime parler, vous comprenez. Ou français, moi, français. De nos jours, quand il y a souvent, on m'a dit tout dans la société, quand on dépend, on noue, les petites soettes, les sautes, les pas éclairées, les pas ceci là, les sautes bas, les sautes pop. Ça, c'est opinion, tout, on a besoin de ça. L'heure où on m'a qui est clair, les belles, les éclairées, les gain l'argent, le bourgeois, tout ça. Ou d'accord, on a dit ça. Mais les pas vrai. Parce que tout le monde dit que c'est une notion que j'apprends nous. Caractère physique, ça veut dire que moi, je n'ai plus de mélanine, c'est tout. Point bas, son caractère physique. Mélanine, nan, qui sont chimiques dans la peau, qui juste fait le foncé. Pas fait de ou ni sot, ni intelligent, ni bourgeois, ni en l'autre, tout le bagage. Ça veut dire que tout le monde croit, tout le monde dit. Donc, ce n'est pas ça tout le monde croit et dit qui est vrai. Est-ce que tu comprends? Même si tu as dit que ça, devant moi, fait un pini, les hommes, les vrais, non, peut-être en grande partie des cas, mais les pas. Il n'est pas absolu. Universellement vrai. Universel en partie, mais il n'est pas absolu. Donc, si vous êtes d'accord ça, il faut d'accord que vous dites bon, vous avez tête graine, ou avez gros nez, ou avez bon noir, ou saute. Non, ça ne sait pas. Non, universellement, ça, c'est faux. Non, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi ça gagne George? Pourquoi ça gagne raciste? Raciste n'a basé sur ça. Non, mais il y a des noirs qui sont racistes. Donc, on n'a pas de racisme, il n'y a rien de pouvoir. Le racisme n'est plus qu'un pouvoir. Le racisme. On estime qu'il n'y a pas de pouvoir. Le racisme est un pouvoir. Un pouvoir. Non, pas forcément. Bien, laisse-moi t'expliquer. C'est quoi le racisme? Son institution, son barrage systémique qui empêche ni à le travail, ni à ceci. Autant que je me parle, mais en blanc, je ne parle qu'un pouvoir collectivement, en tant que groupe, pour empêcher en blanc de faire quoi que ce soit. Tandis que le racisme permet de faire ça. Même genre le sexisme et tout ça. Donc, ça ne vient pas des gens viables. C'est faire nous comprendre que transidentité, son phénomène humain, valable, légitime, nous c'est des gens, nous c'est des mondes, c'est pas un bail qui peut expliquer, c'est pas un mode, c'est pas une tendance, nous c'est des mondes, des êtres humains qui ont droit à tout le monde. Nous allons entrer dans la deuxième question là, et toujours dans la question ça. Bon, là, m'a toujours une vérité, là. Moi, son, j'aime te faire un débat ici, là, sous sa les morphologies. Et docteur Cadet, il dit lui-même, t'es parlé de transsexualité. Et à ce là, nous gagnons, et Yaïssa qui c'est un transgenre. Mais là, l'important, est-ce que vous avez une identité haïtienne? Est-ce que tu as un document qui clairement, comme si l'on venait pas de côté, ou qu'on permet de conduire à Haïti, ou n'importe quoi, oui, c'est ça? Vous avez un permis de conduire, ou qu'on passe. Ou qu'on passe pour haïtien? Non, je ne suis pas née en Haïti, je suis d'origine haïtienne. Ah, ok, justement, c'est ça. Mais c'est ça, le problème, c'est que le pays, ici, ne permet pas. Imagine-toi que si tu es entre mes problématiques qui ont trace avec bagaille carte, identité à palais, hein. Les permettre des personnes comme moi qui gagnent tout en Haïti, qui fait en Haïti, qui gagnent par ça, qui indocumenté dans le pays. Imaginez que je me consens, et puis je vais allonger en quatre qui dit Grégory en trois. Vous gardez la parole. Avec mon moustache, je vais essayer que je ne peux pas changer. Donc ça, c'est la difficulté pour moi. Les empêcher de fonctionner
au tout ça la loi bon mais comme si on m'a envoyé si ma machine la rue en police dit code d'identité on pas calanger le bail c'est ça qui problème toute trans qui cancoum qui vivent en Haïti non mais comprendre mon n'a pas grand identité parce que il semblait Eve papier le dit Adam ou bien il semblait Adam papier le dit Eve non parce que la caille non ça va rien il va exister il gagne rien il existait c'est ça me dit qui veut exister mais ça me dit plein trans genre en Haïti non plein trans gens on a aucun problème ou dit tout parce que ici c'est à la naissance yo identifier mon yo. À la naissance, on identifie mon c'est point boule. C'est pas comme si on a une période de temps où on a tout son autre monde. Mais il te dit comme ça maintenant, où tu as la naissance, tu as un point boule, son bébé, c'est où tu as mis tes projections, interprétations. Non, c'est ça lié en Haïti. Bon, vérité. C'est ça lié en Haïti. Non, c'est ça, bon, vérité. C'est ça lié en Haïti. Et société, pays en général, pas pareil pour ça. Bon, répondre à la question, il n'y a pas pareil. Ça, c'est très intéressant. Qui sont pas pareils pour lui? Qui sont pas pareils? Que un monde qui vivant, qui vivent là, le besoin d'identité, le besoin de vivre librement. La personne ça a déjà c'est son identité. Mais c'est pas vrai ou pas même qu'un monde, on va pas l'arrêter qu'on pas connaît. Non, mais justement, c'est à la naissance, ils ont identifié mon identité. À la naissance, ils ont identifié. Dans tout pays, c'est comme ça, mais tout pays changé, ils ont adopté, ils ont pris parce que ils ont analysé le problème, non? Ils ont entendu l'autre voix, il répond tout autre pays de concours, bon. C'est pas Haïti seulement. En fait, mais écoute, transidentité, c'est un phénomène humain, c'est pas en bas, c'est pas en mode, bon. C'est pas en tendance, c'est un phénomène qui est importé. Val, laisse-moi te dire. Vous avez des trans en Haïti? Non, Val, laisse-moi te dire. Honnêtement, je suis désolé, ça ne va pas être le cas pour nous en Haïti. Désolé de te le dire. Mais écoute, Haïti, c'est un état de droit, on a des inclusions. Non, état de droit, nous connaissons, même j'ai ici, j'ai un droit pour aller à l'école, j'ai un bon Simon qui parle à l'école, droit à la santé, mon bagage, droit exister, mais ici, chez nous, culturellement. Non, nous d'accord pour tout droit, mon passant papier. Non, culturellement, non, ça, je te jure. Désolé de te le dire. Mais désolé de te dire que nous vivons nous là et nous qui droit. Non, justement, mais non, identité à la naissance. Mais peu importe, c'est pas à la naissance. Un bébé ne peut pas savoir si on me même Jean Moun Kritoto. Un bébé ne pas. C'est l'homme où on a grandi, il est majeur, il est cadou. C'est lui qui a un choix, il a un droit pour dire. Sortez penser en passant, c'est lui qui a dans la tête. Si vous avez l'identité de genre. À ma naissance, mes parents ont cru que j'étais un petit garçon normal comme les autres, mais c'était pas le cas. Mais il faut penser que gagner, quoi. Mais ça, elle a sans fait de libre arbitre, monde. Sans fait d'expérience vécue, monde. Ils sont nombreux les gens qui m'écoutent ben moi permettre que mon yo m'a demandé ça en pile. D'accord. Parce que un bon monde qui pas well et ouais tout le monde a demandé une photo sur profil moi. Ça va pas déranger non? Il peut aller sur Facebook et mettre Yannis Saval et puis après photo. Non, comme tu es là, tu es en studio, ça ne dérange pas non? Non. OK, et en tout cas intéressant puisque tout le monde dit comme ça et voilà. Voilà. Ça, c'est le masque que je prends. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et tout le monde a demandé ça parce que Mounio n'est pas habitué à la question. Kounia! Et je vais quitter Mounio pour poser deux ou trois questions parce que Mounio est très sous ça pour poser deux ou trois questions. Vous gâtez la parole? Moi-même, qui ça? Quelle est la définition dans le monde ouan de ça aurait transgenre? La définition, c'est quoi? Transgenre, exactement, proprement dit, simplement dit, c'est un désaccord entre le cerveau et le corps physique. Vraiment. Donc, c'est que techniquement, mon grand cerveau femelle, peut-être que le grand corps mâle, ou l'imposé, le grand cerveau mâle, non, corps femelle. C'est ça lié. Nous connaissons que il y a toute anomalie, mais il y a toute variation qui existe. Il y a des gens qui font intersexe, il y a des gens qui font à deux sexes, il y a des gens qui font avec un clef. Le monde n'est pas parfait. Il y a un tas de choses, il y a un tas de syndromes qui cérébral, soit physique, soit hormonal qui existaient. Donc, faut nous ouvrir l'esprit noir à ça. Il n'y a pas quand je t'ai dit que je ne veux pas. Tu n'es pas Dieu, c'est pas toi qui fais le monde. Que le monde va bouger, les trans sont là, que tu le veuilles ou non. Au cas pas comprendre, ou pas faire comprendre, ça c'est ton droit. C'est le plus légitime, mais... le plus légal. Laisse-moi finir, s'il vous plaît. Mais, au pas que dans ton, soit pas confort à Babel, ou pas entrer dans le droit à l'autre monde pour le vivre vili, et au pas qu'à annuler véhicule, parce que tu ne veux pas savoir, tu ne veux pas apprendre. Donc, il y a un trans ici. Il y a vécu, il y a souffri, il y a une réalité. Donc, ou pas qu'à dire que tout, quand tout haïtien m'a parlé, je ne pas fait avec, c'est pas de quoi qu'elle m'a fait. Mais juste parce que je ne suis pas à l'aise avec quelque chose, je ne suis pas à l'aise avec vaudouisant, je ne suis pas à l'aise avec protestant, je ne suis pas à l'aise en dalle, je ne suis pas à l'aise avec vaudouisant, je ne suis pas à l'aise avec vaudouisant, pour interférer dans le droit d'être humain ou dans le droit d'être de ces gens. Donc, c'est ça que je parle. Mais pour le moment, tu as une photo de toi quand tu étais adolescent. Non, attends-moi. Quand tu étais adolescent. Et là, Mabgado, on voit, c'est quand même une femme. Mais je sais une femme.
ça au printemps comme si pour venir m'a regarde si on par exemple au printemps même j'avais hormone l'autre prend hormone là tout on connaît que c'est estrogène qui n'a et qui n'a estrogène avec progestérone qui n'a ovaire en femelle qui fait le fait croissance et qu'on a testicule pas ou gain testostérone et c'est lui qui fait grandir c'est lui qui fait gain barbe c'est lui qui fait voir descendre c'est lui qui fait chauve c'est quand tout bagage ça donc c'est juste des processus chimiques mais tu n'as pas règle mais non j'ai pas de règle j'ai pas de matrice ni de ovaire mais écoute être femme n'est pas réduit avec un règle. L'offre fait non, ça. C'est, donc, non, je comprends. Je m'informe. J'essaie de m'informer. Je comprends, mais je veux aussi à le bémol. Non, pas de problème, pas de problème. Mais laisse-moi acheter le bémol. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils voulaient mettre le mouvement féministe là, reculer des années-lumière. On a pas ce que dit que la femme n'est pas réduite seulement à un vagin ou bien physique ou. Donc, imaginez, si on joue pas bandé encore, pas garçon, ou toujours garçon. Donc, identité pas réduite avec ça. Non, j'en mou. Humanité, on ne peut pas faire pour une réduction on avec deux tétés, on va agir en matrice. Vous gâtez la parole. C'est ridicule. Non, mais si, non, pour qu'il soit le chachel. Ça, c'est le chachel. Je ne pas que le temps est important. Je ne sais pas si c'est le pas important. Je suis ça, mais je suis plus que ça. Malais pour me en harmonie avec intérieur et dehors, mais c'est de paraître différent à dire là. Non, mais justement, c'est parce que quelque part, vous estimez que le temps est important. Il est important pour moi, personnellement, physiquement, pour mon bien-être. Parce que ça reflète, parce que ça que tu es dans tête, moi, avec ça que tu es dehors, pas en concordance. Ça fait des transgenres, mais mettez en harmonie. Mais ma pas le cougna, non, société. Peu importe ce qui est dans ma culotte ou non, ça paraît c'est comme son citoyen, comme son être humain qui a des besoins et qui a des droits. C'est là que nous allons comprendre. Ça fait, je n'aime pas répondre à ces questions de comment tu t'appelles, etc. Parce que là, nous banaliser la vie être humain, qui a souffert, qui n'a pas un droit dans le pays, avec ça que nos gens mieux, que j'ai enterré, les SOG, etc. Okay. C'est mais désolé, mais pour nous. Je comprends. Non, attends-moi. Pour nous, en Haïti notamment, ou bien dans le monde. Non, dans le monde naturel. Dans le monde naturel. Tu m'excuses. Dans le monde naturel. Mm-hmm. OK. Nous éviter ça aurait les aucun élément, acte ou action contre nature. OK. Pas merci quand même. Non, ça. Donc, qu'est-ce que tu appelles contre nature? Justement. Donc, tu n'es pas venu comme ça. Je n'ai pas venu comme ça. Mais justement, ou choisis changer. C'est pas choisi changer, Mali. Vous gardez la parole. Choisis changer, Mali, en concordance avec un bail qui t'a passé intérieurement. L'arrivée, en monde fait, il y a un trou dans le cœur. Les grands bagages, en pile fois. Bon, on prend albinis longtemps. L'homme n'a pas de voulait bouger, l'homme est dans l'état superstition. L'homme n'a pas fait albinos. C'est contre nature, c'est contre Dieu. Boulez ou tuez dans des sociétés. Mais là, tout le monde, la science, ils ont appris que c'est un manque de pigmentation, point barre. C'est pas ni le diable, ni contre nature, ni quoi que ce soit. C'est quand l'homme a fait la société, que l'homme a quitté l'opinion, ou t'as parlé tout à l'heure de monde qui est sentiment, je t'écoutais en chemin. C'est que le monde peut pas réfléchir. Mais tu fais la même chose. Et on peut aussi faire la même chose. Non, tu parles de sentiments. Sois plus clair. Tu parlais tantôt, je t'écoutais à la radio en chaîne. Si tu parlais que on t'a parlé de monde qui a voté, par contre, c'était vous-même. Que t'as justement, que c'était voter, mais laisse-moi finir. Il y a le voté, il fait des choses par sentiment. Et au même moment, parce que tu es assez avisé, le peuple, là, pas fait bagaille sous réflexion. Alors, bon, dis, là où on bagaille, pas qu'on est. Non, on parle d'émotion, pas fait un lien avec émotion. Oui, ok, sentiment, justement, émotion, oui. C'est pareil, oui, ça veut dire que sans réflexion. Oui. Mais là où on bagaille, pas qu'on est. Donc, on pas qu'à courir, font sentiment, tout ce qu'on fait, c'est sentiment. Donc, après, tu apprends à savoir ce que c'est, il te faut des informations, des faits pour pouvoir analyser et comprendre et synthétiser. Ce soir, tu es à l'émission Boukate la parole, une émission extrêmement... Non, j'ai aucun problème. Une émission extrêmement prisée. Qu'est-ce que tu veux apprendre à mon auditoire? Je veux apprendre à mon auditoire, premièrement. Le pays dit, les gens disent, parce que depuis ces derniers temps, le décret est sorti. Moi, je m'intéresse à la partie des transgenres. Les émouniens disent comme ça qu'il faut aller brusquer, trouiller, ou peut-être des leaders religieux. Des politiciens et même des journalistes qui sont irresponsables, qui d'ailleurs au micro, qui ont incité le peuple à la violence, à crime de haine, quand on parle avec eux, pas qu'on ne pas comprendre. C'est-à-dire qu'il y a menacé que nous pouvons atteindre la morale. Qu'est-ce que moi-même, en cherchant une carte qui aide me vivre, qui me demande mal dans qui me mal le travail, pour attaquer la moralité pays? Qu'est-ce que. Mais tandis que ça, c'est l'hypocrisie. Laisse-moi finir, s'il vous plaît. Non. Ok, bah, tout fouet ça dans la question. Ça veut dire que. Non, ou dis-moi qui ça me fait. Attends. Est-ce que le nouveau décret veut dire clairement que tu étais Jacques Pétion et maintenant tu es Jeannette ou bien Yveline Pierre-Paul et que tu peux toujours décider d'aller. Donc voilà, guys. Et nous t'a présenté justement, d'après attendre. Yaïcha, donc à constater li, et
gen des séries de bagages s'il était ici, il pas t'a faire quelque part bon. Mais que connait là Jovenel arrange bagaille pour lui. Donc voilà et réalité a quel que soit quand que au situe li pa nan culture nous, nan valeur nous. C'est ça lié. OK, c'est une autre société. Chaque société reposait sur des valeurs. Ceci dit, yo pa retirer liberté yon moun pour faire sauver la caillou sous cabane nous. C'est business pao. Mais li pa institutionnalisé dans pays a. C'est aussi simple que ça. OK.